Maar in deze film zal Johnny zich er wel weer doorheen brommen. Het is een diepgaand onderzoek naar de psychologische drijfveren van het conflict tussen jeugd en oudere generatie in een gangsterachtige atmosfeer waarin zowel de jeugd als de oudere generatie baden. L'asperge. Après ça, il y a Van Hoel. Van Hoel, qui se met là. Après ça, il y a Perry, qui se met là. Après ça, il y a Gobi, qui se met là. Après ça, il y a Johnny qui se met là. Après comme ça, c'est ça. Pas comme ça, oui. Et Johnny, et le dernier, c'est pas beau, je vais la prendre. Parce que le cinéma, pour vous, c'est une chose importante. Oui, parce que je ne veux absolument pas abandonner la carrière de chanteur. D'abord parce que ça fait 10 ans que je le fais, et c'est grâce à ça si aujourd'hui je suis Johnny Hallyday. Mais je m'intéresse énormément au cinéma, pour la bonne raison que ça me permet de... Ce que je voudrais arriver à faire dans le cinéma, c'est créer un personnage qu'on n'a pas eu encore en Europe jusqu'à présent. Je ne dis pas que j'ai le talent de regretter James Dean ou des bêtes de cinéma comme Marlon Brando, mais je vais essayer de créer un genre de personnage comme ça en Europe. Et puis ça m'intéresse parce qu'en fin de compte, faire du cinéma, c'est une création. On crée quelque chose, on crée un personnage. À chaque film, on crée un différent personnage. Et c'est un peu comme dans la chanson. Chaque chanson, on se met dans la peau de la chanson. Il était question à un moment de faire un film sur James Dean. Et on a dit que ce serait Johnny Hallyday. Et puis ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire, il s'est passé deux choses. Quand je devais faire le film de James Dean, je suis parti à l'armée. Et puis... J'ai eu le temps de réfléchir et tout ça, et puis je me suis dit que si j'interprétais la vie de James Dean à l'écran, peut-être que les gens me compareraient trop comme dans un type. Et toute ma vie, j'aurais risqué de traîner au cinéma le personnage de James Dean. Est-ce que vous n'avez pas un peu comme chanteur dû traîner précisément le personnage du rock'n'roller? Parce que maintenant, je crois que vous essayez de prendre vos distances par rapport à ça. Absolument pas, non. Vous savez, moi j'ai toujours dit que Jacques Brel était en fin de compte un chanteur de rock'n'roll. Parce que j'admire beaucoup Jacques Brel, je l'ai vu souvent sur scène, et il chante vraiment avec ses tripes. Et il transpire sur scène. Et je trouve qu'il chante avec le même sentiment, la même rage au ventre ou rage au cœur que les chanteurs de rock'n'roll justement. Et votre métier d'acteur de cinéma, vous le ferez comme ça, avec la rage au cœur? Je ferai mon mieux. Finalement, vous êtes beaucoup moins méchant dans la vie que ce que votre légende raconte. Vous savez, chaque artiste a une légende. Il y en a qui ont une légende homosexuelle et ne le sont pas. Je le sais, moi. Il y en a qui ont des réputations de... Et comme moi, un peu de bagarreur, comme Belmondo, par exemple, alors qu'en fin de compte... Je le connais bien, il ne l'est pas tellement non plus. Il est très gentil. Quand il se bat, c'est que vraiment on le pousse à bout. Et puis après tout, vous savez, un artiste, c'est un être humain. C'est un homme qui a été petit, qui a grandi, qui aurait très bien pu lui faire ses métiers, aller à l'usine. Je pense qu'on a des réactions normales.